heures du mat. Et là, on s'est réveillé pour prendre l'avion. Et oui, on n'a pas perdu de temps. À peine arrivé en Colombie, grâce à Paola, on a directement filé dans un endroit aussi dangereux que mythique. Un endroit où chaque animal et chaque plante est mortel pour l'homme, j'ai nommé l'Amazonie. Ça c'est le truc que j'attendais le plus, là on va vraiment dans la jungle profonde, normalement on va voir les animaux et tout. Regardez, même pas 10 mètres qu'on est sorti du jardin. They are trying to calling. On essaie d'appeler des singes. C'est grave, non? C'est très acide, un peu comme du fruit de la passion. Il y a plein de petits grains. Oh, Pedro, il vient de dire qu'il sentait des serpents. Il a dit I smell the snakes. Oh, maman, pour la taille. Et donc, du coup, elle s'appelle la fourmi Tonga. Et donc, du coup, Pedro, il nous a raconté que. Si j'ai bien compris, il s'est fait piquer par cette fourmi et pendant 2 jours, il n'a pas pu utiliser sa main. Joli criquet. Ça pousse ses yeux, on dirait vraiment des gouttes. Avec une petite cabane en haut. Ah. Attends, là j'ai l'impression qu'on approche un pont qu'on va devoir traverser, non? C'est marrant parce que j'ai repéré qu'en fait toutes les fourmis qui trimballent les feuilles, elles vont dans cette direction. En fait cette direction c'est quoi? C'est qu'elles montent au niveau de l'arbre. Et la fourmilière elle est vraiment là-haut. On en arrive dans la communauté indigène. Ça c'est l'école du village. Ici pour rentrer dans les maisons, faut enlever les bottes. Prépare le manioc apparemment. Ça a l'air juteux ça. Ah oh, c'est hyper goûteux, tu vas comprendre. Ok. Genre comme du vin rouge, il y a beaucoup de tanins. Ah c'est âpre. C'est très âpre. Ah c'est giga âpre. Le goût est bon même. La texture. Alors Guillaume, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais manger ça. En fait j'ai grillé le fruit rouge à la base. Après comme un con j'ai voulu croquer dans le noyau genre. Pour voir ce que c'était. Et là j'ai la gorge nouée. Comme si j'étais triste.
C'est hyper drôle. Je pensais grave bon, les gars. Bon, bah là on est arrivé sur une petite île, franchement une île perdue au milieu de l'Amazon, vraiment c'est très drôle. Et du coup, en vrai aujourd'hui on a passé une grave bonne journée. C'était incroyable en vrai. Ouais, aujourd'hui on était allé voir les indigènes de Santa Marta. On y est allé genre en faisant une rando dans la forêt et tout, ils nous ont montré plein de grenouilles, des araignées. On a marché 3h15. J'avais là un insecte. T'avais là un insecte? Ouais, non, ça va. C'est l'Amazonie, frère. Ouais, c'est l'Amazonie, c'est vrai. Là on est content, ils nous ont déposé avec le bateau du coup sur cette petite île de sable, j'ai l'impression qu'il y a personne qui va dessus. C'est du sable noir genre là-bas surtout. Et c'est incroyable parce que dans l'eau il y a de la boue. Je sais pas si on. Enfin, je vais essayer de vous montrer. Peut-être qu'on vous montre qu'il y a de la boue. Ouais. Je sais pas si c'est évident comme ça de loin. De loin là comme ouais, ça. Ouais, faudrait montrer. Sinon, on a bien mangé, mais j'ai encore un peu faim. Oh putain, merde, merde, un mec d'une tribu qui est venu me chercher. Je le vois, regardez, ça peut être qu'il dépasse. Oh, la grenouille. Gros, je crois t'as vu une meuf, fais gaffe. Gros, je voulais pisser, je sors ma teub. Et c'est pas. Je vois. Oh, elle est énorme. Elle est énorme, elle est trop stylée. Allez, calme, allez. Oh. Elle me regarde. Oh. Oh, mec, elle est là. Oh, mec, elle est au-dessus de ta tête. Ah, elle est au-dessus de ta tête. Elle est au-dessus de ta tête. C'est elle. What the fuck, What the fuck. Le petit moustiquaire comme ça. Guillaume, il est l'heure de se réveiller. Aujourd'hui, on va aller voir les dauphins. Ce matin, on va voir les dauphins roses. C'est marrant parce que là, c'est une cabane qu'il a construite lui-même. Et dans la structure, il y a juste du bois. Et après, c'est que des moustiquaires. Là, ici, c'est juste la cuisine. Et nous, on loge à l'étage de cette cabane. Puis vraiment, genre dedans, il y a l'électricité, l'eau courante. Donc, on est bien. Là, c'est un aigle. Et apparemment, c'est un aigle qui mange des putains de singes. Pour attraper les piranhas. C'est bon, les gars. Esos piranhas, l'almuerzo de hoy. Ah, premier piranha de Yann, il est chaud. Hé, hein? Piranha! Oh! Oui! Oh! On a fait 100 mètres depuis l'endroit où on pêchait le piranha, il nous dit vas-y, là vous pouvez nager. Nous voilà sereins là, vraiment. Bref, en tout cas, on fait confiance à notre guide. Ouais, j'avoue, je passe serein de ouf. Mais il a dit on pouvait alors on peut hein. Tu as plongé? Ouais bah ouais. Allez. Je vais rejoindre les piranhas, c'est fait. Oh le coup. Ah c'est trop bizarre frère. Pourquoi? Elle est giga chaude. Oh mais quoi là il y a un crocodile.
Du coup, j'ai un peu peur. Hein. J'aurais jamais osé tout seul. Oh le bâtard. Ça, c'est vraiment une expérience unique. Vraiment. Se baigner dans l'eau des piranhas. Il n'y avait pas les dauphins, mais il a dit que c'était plus simple dans l'après-midi. Du coup, on va revenir cet après-midi. Là, on va aller grailler. On a notre petit sachet de poisson pour ce midi, de petits piranhas. Et voilà. Et là, il pleut sa mère. Voilà. C'est pas grave, en vrai, c'est la base de hein. Et c'est los piranhas. Ah, bien. Un poquito. Pourquoi la patana est negro? Por el le hace aquí en candela. Un dauphin! Il y a un dauphin, mec! Ah ouais. Tu vois l'onde là, ronde? C'était un putain de dauphin! J'ai vu qu'on était trop content de voir un dauphin avant! Mais gros, je suis refait de ouf! On m'a dit. Oh! Oh! Attends, faut qu'on se rapproche! Tiens, le bot! Oh! Bien sauté! Oh! Oui! Oh! Oh! Attends, oh! Trop fait! Oh, mec! Mec! J'adore. Bah ce matin, le plan, c'est on va à la communauté de San Francisco pour aller nourrir les singes. Cet après-midi, on va à celle du. Enfin, on va sur une île au Pérou, je crois, pas très loin d'ici, pour aller voir les paresseux. Et après, ce soir, on dort dans la forêt. Putain, en vrai, on va faire une petite balade, genre de 2 heures, un truc comme ça. On est au milieu de la forêt, on fait un feu, on dort en hamac. On fait une petite balade la nuit pour aller voir les scorpions, les araignées, les trucs comme ça qu'on n'a pas pu faire l'autre soir parce qu'il pleuvait. Et après, on dort et tout. Ouais, ça va être trop cool. Guillaume, il est avec sa nouvelle meilleure amie. Ça c'est très joli, bleu, rouge et tout. Oh, du bon. Tu comment il y a fait. C'est trop bizarre. Wouah. Mec. Moki. J'aime trop les singes, gros, c'est mon animal préféré. C'est trop stylé, frère, j'ai vraiment un singe sur ma. Oh! Mec! Mec, sur ma tête! Mec! Oh. Allez, tiens! Monkey. Oh monkey. Mec, je kiffe les singes, c'est vraiment mon animal préféré. Oh non, c'est énorme. Bida. Ay, c'est le coup. Te engañamos. Engañando cara a cara con usted de guayaba. Putain, là, c'est des aigles qui viennent attraper la viande. Et là normalement, toujours dans cette comité là, on est censé aller voir les caïmans. En gros, il a dit que chaque famille avait un alligator, enfin non, un caïman. Genre, et qu'au bout de 1 ou 2 ans, il faisait 1 mètre, un truc comme ça, 1 mètre 50, et que c'est là qu'il les mangeait. Ah ouais. Ce qu'il vient d'expliquer. Alors on est censé aller toucher un bébé caïman là. Ok, c'est lui qui va l'attraper. Oh. Ok. It's only 1 month, this. Mon nouveau copain. Mon nouveau copain, tu l'adores?
This one is dangerous. Yes. Celui-là, je sens que il est puissant. Prends bien le coup. Hein. Oh. Tranquilo, tranquilo. J'ai pas qu'il me mord là. Je le tiens, je le tiens. Il nous a dit it's the turkey of Thanksgiving. Ouais, c'est genre leur dinde de Noël quoi. À eux, c'est spécial mais c'est très drôle. Chaque famille de ce village de San Francisco Community a un caïman. Même plusieurs caïmans. Là, il a dit notre guide qu'on allait voir les paresseux dans la forêt. Là, on marchait sur un grand chemin, mais là, on rentre vraiment dans la forêt. Moi, comme un con, je suis juste en short. Là, on cherche, c'est un truc qui fait 75 cm. Qui est censé être tout en haut des arbres. C'est là-bas. Oui, bah, juste là, il y en a un. Les paresseux, quand il pleut, ils sont tout en haut. Et dès qu'il fait trop chaud et qu'il fait soleil, ils descendent en bas, ils s'abritent. Il fait pas trop chaud, donc du coup ils sont vraiment tout en haut des arbres. Ça c'est le mambes là. Mambes? C'est une drogue? C'est une drogue, si. Il a dit du coup que les paresseux, la raison pour laquelle c'était tous super flemmards et qu'ils bougeaient pas de la journée, c'était parce que ils grillaient de la drogue. Genre, enfin, en gros, dans les feuilles, il y a une substance qui fait que ça les rend ben, genre vraiment tout mou comme quand t'es drogué, quoi. Petit paresseux tout en haut de l'arbre. Pedro pesca más pescado que Yann aimé. Pedro, tu pescas el grande pescado? Si. Et que pescado es? El grande? Pintadillo. Ah, c'est un poisson chat ça. Nous voilà repartis dans la forêt amazonienne du coup pour la deuxième fois, cette fois pour aller dormir dedans. Il vient de nous dire là à l'instant qu'on a beaucoup plus de chances de voir des migales, des tarentules pendant la nuit. En el suelo? No, Mac? Es no dangerous? Il a dit qu'il allait pas dormir de la nuit, genre en gros d'un œil fermé tout le temps. Parce que c'est pour ça qu'il reste sur le sol, genre pour surveiller qu'il n'y a pas de danger. Oui. C'est une dinguerie. Attendez-moi. Non. Quand il pleut, il y a moins de chances de voir des serpents, des tarentules. Là, il vient de se mettre à pleuvoir. Que la chance soit avec nous. Du coup, nous voilà équipés. On a des giga ponchos qui protègent notre sac et tout, et qui protègent vraiment de la pluie. Donc voilà, on est là. Hein. Il pleut bien là, du coup, on est trempé. Ouf. Énorme. La pluie a l'air de s'arrêter un peu, ça fait plaisir. On tombe sur une bananerie juste là. Ah les gars, donc là c'est l'endroit où on dort. Nous on dort voilà, donc sous ce gros truc, là on va installer au max, ça c'est mon hamac. Et là ce que je vois là où on dort, il y a ça déjà. Ok, et maintenant surtout il y a ça. Oh putain non, elle est où? Oh la pluie. Non elle est là. La deuxième. Tu vois pas la deuxième? Si, je vois. Wesh. C'est des œufs qu'elle crache là ou? Elle a craché des trucs. Je suis en train de mettre le hamac. Il s'est fait attaquer par les papillons. Ah, je me suis pris un papillon dans l'œil. Voilà, l'araignée a disparu. Guillaume en PLS là. Putain, ça me fait pas rire. Les gars, l'araignée. Là, Yann vient de tester le hamac. Et l'araignée, elle vient de monter sur son hamac. Petite. Wesh. Vas-y, mets ta tête devant l'araignée. Non. Oula, mon gars, j'ai trop peur pour toi. J'ai grave peur pour toi, frérot. Force à toi, mon ref. Force à toi. Je suis pas avec toi. Ah, regarde comment il mange. Oh, pas bien, il a failli passer l'attaque. Oh là. Ah. Le but, c'est de faire un feu. Comme il a plus de fou, le bois est mouillé. Mais c'est plastique, non? C'est plastique, nos feuilles. Si. Mais t'es pas net, Baptiste. Il est sur ton pied, il est en train de monter sur toi. Wesh.
Non, casse-toi. Frérot, la vie de la mer, j'ai mis ça sur ma main, je suis un barjot. Vas-y, mec. Hop là, mon gars. Petite salade de... De copeaux. Bout de bois. On fait chauffer les saucisses. Pour qu'elles soient... Parce que là, elles sont froides, elles sont vraiment chaudes. Maintenant, au-dessus. Là, on va aller marcher 2 heures dans la forêt pour trouver des tarentules et des serpents. Muerte. La planta là ? Tiens, cadeau. Non, non, moi je la prends pas comme ça. Tu la prends comme ça ? Bonjour, moi qui prends les risques. Petite araignée scorpion, hein. Donc on a marché vraiment 5 mètres du campement. Ouais. Araignée tigre. Qui est là. C'est l'araignée la plus dangereuse de toute la forêt. Elle peut te tuer. Voilà, vas-y. Parce que je me suis dit, ça se trouve, elle peut bondir comme un tigre, c'est pour ça qu'elle s'arrête comme ça. Imagine de sauter dessus. On va éteindre toutes les lumières. Parce qu'il y a un animal. Je sais pas ce que c'est. Il est en train de m'appeler. Oh. Oh. Mets ta main. Ça c'est la main de Diane. Hein. Dis-vous, ça c'est la main d'un putain de... J'ai des mains de géant, moi. Une chenille panthère. Wow. Impressionnant. Oh. Ok. C'est cette protection. Ah, ok. Mmh. Putain, de se réveiller, il est 6h30. Et j'avoue que moi, la nuit, c'était vraiment horrible. Hein. J'ai vraiment pas beaucoup dormi du tout. Moi aussi, hein. Je suis content que tu le dises parce que moi aussi, gros. Parce que le hamac était beaucoup trop petit pour moi. Moi, je me suis endormi, j'étais en caleçon à la base. Là, je me suis réveillé à 1h30 du mat. Et là, j'ai dû mettre mon t-shirt. Sauf que j'avais trop peur qu'il y ait des araignées dedans. Sauf que du coup, comme il y avait des animaux dans ma moustiquaire, des insectes et tout, bah ils commençaient à venir vers moi. Et du coup, j'avais trop peur. Bon, voilà, ça c'est l'endroit où on a dormi. Bon, en vrai, en bilan de cette expérience de dormir dans la forêt et tout. C'est marrant d'être au milieu de la forêt, tout ça. C'est quand même une sacrée ambiance. Il y a tout le temps un bruit constant d'oiseaux, de sons que tu comprends pas d'air ce que c'est. Et puis à un moment, il dit « Oh, c'est un puma !» Ah, ok. Moi, j'ai trouvé ça très stylé, j'ai kiffé. Il y a Yann qui est à la douche. On va filmer un peu tout ça pour montrer comment... Bah, comment c'est, quoi. Voilà, la douche. C'est juste un tuyau. Ouais. Et c'est vraiment à part gravité, il n'y a pas de pression, de pompe, tout ça, c'est vraiment l'eau qui tombe d'un réservoir qui est au-dessus là, juste là. Ouais. Le plan d'après-midi, c'est pêcher, regarder les dauphins et espérer pouvoir nager avec eux, faire des plans de drone, des trucs comme ça. Regardez tout le monde qui joue au foot, c'est incroyable. Il y a voilà une ambiance. Ils sont tous là. J'espère qu'on va pêcher un max de poissons, je vous tiens au jus les gars. Ok, on a pêché, j'ai pêché 3 poissons chats pendant lesquels ils faisaient des plans de drone incroyables, vous allez voir.
voir les dauphins, parce qu'ils sont vraiment genre à fond. Ok. So we should not go there. Il a dit qu'il fallait faire attention au tourbillon, genre faut pas aller plus loin que genre la taille. Oh, t'as beaucoup de courant. Oui. De rien. Non, ça va. Là, il y a une pirogue, le coucher du soleil. Et les dauphins, genre vraiment au niveau de mon doigt, genre pas plus loin. Mais vraiment, là, ce moment, il est magique. Mais genre, je suis trop content, j'ai réussi à pêcher des poissons-chats énormes. C'est trop bien, je suis trop content. En plus, on va les manger, les poissons-chats, je crois. Oh, c'était quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, il y a un truc qui vient de sauter à côté de moi. Il y a un truc qui vient de sauter à côté de moi. Et là, il y a un truc qui vient de toucher mon pied. Et là, il y a une putain de dauphin. Eh, gros, la triplette. Bienvenue au bout du monde. Voilà ce que vous vivrez si vous partez en Amazonie. Gros, frérot, est-ce que là on n'est pas heureux? Vraiment là, là on est heureux. On savait qu'on vivrait des trucs de ouf, mais tour du monde, mec, ça nous amène dans des endroits, dans des situations. Mec, putain. Mec, l'Amazonie, gros, c'est magnifique. Le coucher de soleil, le coucher de soleil est incroyable.